Difanga, c'est un peu, c'est ma façon un peu de rappeler que dans chaque morceau d'un album ou d'un single, ou, eh ben, c'est toujours une partie de nous, une partie de l'artiste. Donc voilà pourquoi j'ai appelé l'album Difanga. Une façon de dire que tout ce que je chante, c'est une partie de moi-même. Ouais, il y a des collaborations. J'ai un morceau avec Pierre-Paul Jacques. J'ai un morceau également avec Charlie B, Takana Zion, Maury, Daddy Nutty. Yes. J'ai différentes façons d'aborder la musique. Ça peut partir d'une mélodie, ça peut partir d'un rythme. Ça dépend. Mais en général, sur un rythme, je vais d'abord chercher la mélodie et puis après je vais mettre des mots dans cette mélodie. Chanter l'histoire de nos ancêtres, entends-tu le chant du trio? Chanter l'Afrique et sa noblesse, entends-tu le chant du trio? Chanter l'histoire de nos ancêtres, entends-tu le chant du trio? Laissez le passé, les gens l'appellent Julie. Toutes les histoires n'ont plus de secret pour lui. L'art de la parole, c'est toute sa vie. Julie, Julie, Julie. Le monde est endurci. Les influences dans le reggae, c'est... j'ai commencé en 93. J'ai commencé dans les sound systems. Et mes influences à cette époque, c'était Dennis Bloom, Gregory Isaac, Alpha Blondie, bien sûr. En tant qu'Ivoirien, on a grandi, on a été baigné dans ça. Donc voilà, mes influences étaient beaucoup jamaïcaines. Et puis je m'influençais aussi de tout ce que j'entendais à la radio. Alors ça pouvait être la soul américaine, ça pouvait être la variété française, un peu tout, quoi. On est un peu comme une éponge, tu vois, qui prend un peu tout et puis qui renvoie un peu. Mon mot de fin, ce serait de toujours croire en ses rêves, de ne pas se limiter et toujours garder l'objectif, et pour coup sûr, on l'attendra. Yes. Et Big Up la grosse radio, ça fait super plaisir. SOS, c'est un morceau qui sera dans mon prochain album qui arrive le 16 juin. So. Yes, la famille. Je suis la nature qui crie. Elle serait son projet. Elle est venue.
puissant maintenant de penser franchement aux nouvelles générations. Dites-moi, est-ce que vraiment sommes-nous conscients de l'avenir que nous laissons?